En Côte d'Ivoire, vous savez qu'avec les difficultés, on ne fait pas d'études dans population générale, donc on ne peut pas avoir des études de prévalence. Mais ce qui est sûr, on en rencontre. À plusieurs stades, il y a d'autres qui viennent, mais c'est surtout en consultation, on les voit. Voilà. Donc, et les études sont hospitalières. La plupart des études en Afrique sont hospitalières. Et on essaie de voir la fréquence de cette pathologie dans l'ensemble des malades qu'on voit. Comme ce sont des malades qui se déplacent, ils ne sont pas hospitalisés, sauf si vraiment ils arrivent à être bloqués, on peut les hospitaliser. 0,5, 1% de nos consultations. Pour cette journée, la maladie de Parkinson, c'est une maladie comme toute autre. Il faut pouvoir, quand on a certains signes, surtout le tremblement, c'est le signe qui est le plus évident, consulter. Consulter pour que l'on puisse mettre en route un traitement qui permettrait de faciliter la vie de ces malades-là. Elle n'est pas contagieuse.